D'Ivoire TV Musique, bonjour et bienvenue dans Fafa, la seule émission en Côte d'Ivoire où on casse les papous sans état d'âme. Ici, on casse les papous des invités, mais aussi ceux des animateurs. Ouais, c'est comme ça, Fafa. Alors, comme tous les samedis, on a un invité et non des moindres. Celui-là même fait du zouglou. Il se bat bien, il se défend bien, mais il a beaucoup de griefs contre certaines personnes et il a décidé comme ça de venir chez nous et de se libérer. Nous recevons donc aujourd'hui Mister Johnny. Bonjour l'artiste. Bonjour bébé. Comment tu vas, Chola? Notre artiste est là, nouvelle coiffure. Effectivement. C'est pas faux. Ça fait près de... Johnny, ça fait combien d'années que tu as teinturé là? Bébé, c'est une tache de naissance. Non, la teinture. Non, la couleur des cheveux là. Non, c'est comme ça, c'est une tache de naissance. Avec les cheveux en même temps, ça n'a jamais été une teinture. Bon, là, franchement, tu sais quoi? Non, c'est une information capitale que tu viens de nous donner. Vraiment? Ah bon, hein? Oui. Mais attends, on t'a déjà posé cette question? Bien sûr, tout le temps, on me la pose. Non, mais moi, j'ai jamais fait la liaison entre ta tache de naissance et le blond qui passe là. C'est une tache de naissance avec le cheveu, c'est comme ça. C'est particulier, en fait. Donc, même quand tu coupes, ça repousse comme ça. Ça repousse comme ça. Même coco taillé, ça repousse. Ouais. C'est quoi tu nous dis là, c'est hier ou bien tu entrais maman Chola, c'est la vérité. C'est comme ça que je suis né. C'est une tache de naissance, oui, c'est comme ça. Ah ouais, comme ça que je suis né. Mais figure-toi-même, quand à l'hôpital, la veille a poussé et puis je suis sorti, même les sages pour mon frère. Non, mais en fait, non, c'est pas qu'elles ont vu génie, mais c'était. Ils disent même, c'est pas normal en fait. Elles n'avaient jamais vu ça. Voilà, elles n'avaient jamais vu ça. Le gars, il vient avec une tache de naissance, cheveux blancs, tout. Donc au début, elles ont tiqué. Et la vieille dit non, que c'est ce que Dieu m'a donné. Elle a pris son enfant. C'est tout. Alors, Johnny, ça, c'est une information capitale. Hein. Ouais. Ah, mais donc, quand les sages-femmes t'ont vu là, elles ont voulu démarrer en même temps. Non, frère, même. Elles sont parties. Elles ont eu bébé génie. Elles ont eu bébé génie. Donc, c'est une qui a eu le courage, elle est revenue. Ah. Et non, c'est l'homme. Et puis, la vieille, elle a pris son enfant tranquillement. C'est tout. Ouais. Et c'est Johnny qui est là aujourd'hui. Alors Johnny, moi j'aimerais que tu te présentes à nos téléspectateurs. À l'état civil, qui es-tu? À l'état civil, c'est Balou Sylvain. Le nom d'artiste, c'est Mr. Johnny. Mais toi, tu as loué le nom derrière quoi? Maintenant, Mr. Johnny, veut dire c'est vidéo. Non, Mr. Johnny, en fait, au début même, c'était Johnny la star. Bon, Johnny la star, j'ai trouvé ça. C'est vrai, Johnny le mousseur. Tu vois? Donc c'est comme ça. Il y avait Johnny le mousseur. Il y a eu Johnny le mousseur. Voilà, donc. Ouais, Johnny le mousseur. Au départ, c'était Johnny la star. Et c'est après, en studio, c'est là, Baby Philippe m'a dit non, Johnny la star, c'est trop lourd, en fait. Donc pour moi, j'aurais souhaité que tu te nommes Mister Johnny. Mister Johnny. Voilà, donc c'est comme ça que c'est venu. Et tu es originaire d'où? Je suis Bété de Guibérois. Bété de Guibérois. De père et de mère. De père et de mère. Ouais. D'où le nom, parce que quand tu entends Balou. 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 Voilà, Guibérois, je viens de Ziriwa. Ziriwa. Voilà. Ouais. Dieu merci, tu n'es pas de Ziplignan. Ça. Bon. Ben, okay. Tant bien que si le président Laurent Gbagbo dit que le président Ouattara est son frère, Charles Bio Goudé a dit c'est que le président Ouattara est son oncle. C'est Mais ça. Toi, qui es-tu pour Charles Bio Goudé? C'est mon fils. Blé Goudé est ton fils. C'est mon fils. Comment ça? Tu peux m'expliquer? Parce que non, c'est mon fils. C'est mon fils. Est-ce parce que nous, en fait, nous, Blé Goudé, il est de Guibérois aussi. Oui, c'est pour ça que je dis. Voilà, il est de Guibérois. Est-ce que vous avez un lien de parenté? Bon, on n'a pas un lien de parenté, mais c'est simplement pour dire que moi, je viens de la famille de la panthère. Biowa. D'accord. Biowa. La panthère Biowa. Voilà, justement. Donc, je viens de la famille, je suis un descendant de la panthère. Okay. Je suis un guerrier, en fait. D'accord. Voilà. Donc, d'où Blé Goudé peut être ton fils? Non, mais c'est mon fils parce que le guerrier, là, c'est lui qui défend. Mais lui, il est le génie du bord. Bon, ce gars-ci, c'est la même chose, là. C'est qu'on est ensemble, là. Mais est-ce que c'est pas buzz d'entrer chez Jean en disant que Blé Goudé est ton fils? Mais tu t'attaques quand même à une autorité de ce pays, hein? C'est vrai, c'est l'autorité du pays, mais ce qui est traditionnel. C'est de ça que je parle. Lui, il va dans la tradition. Moi, non, je vais dans la tradition. Mais justement, je te comprends, mais tu ne peux pas aller dans la tradition, sachant même déjà qu'il n'y a pas de lien de parenté entre lui et toi. Si au moins vous étiez parenté, c'était ton cousin, ton... Voilà, tu pourrais dire ça, mais je veux dire que dans le canton,
les guerriers, les descendants de la panthère, c'est des guerriers en fait. Ok. Voilà. Donc. Donc lui aussi, il est descendant de la panthère? Non, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ton affaire est carabinée. Voilà. Donc, je me dis que c'est comme si ça. Moi, il me lève aujourd'hui. Et puis, j'ai dit, bon, qui même, quel nom peut me venir en tête? Je dis, bon, Big Togo, c'est mon neveu, c'est mon fils, c'est mon petit. Il compte sur qui et puis il compte sur quoi? Bon. Ton neveu comment? Non, mais c'est ce que je dis. Je dis dans la tradition. Alors, tu parles du diamant noir. Hein? Non, mais c'est même, il va entendre, il sait que Jésus, c'est la même chose là. Jésus, fils, tu sais, je pense que dans ce pays, il y a des gens qui ne vont pas se provoquer. Ils ne vont pas chercher leur bouche. Bleu Goudé, il a là de la parole. Oh. Et puis il a les proverbes. Il a de ses proverbes. Il va sortir un proverbe. Il faut nous déposer par texte. Lui, il a proverbe. Il a posé une question là. Non, toi, il ensemble. Dit que c'est ton. Non, on est pas dedans. Non, on est pas dedans. Voilà. D'accord. Alors, donc, comment tu arrives à la musique? Bon, déjà, je viens à la musique. J'ai été. C'est à l'église que j'ai commencé, bien sûr. On commence toujours à l'église. Voilà, toujours à l'église. Oui, toujours. Non, pas chez le diable. Non, mais la musique profane, est-ce que tu chantes pour Dieu? Non, pas chez le musique diable. Musique profane, c'est pour qui? On ne peut pas dire que c'est forcément le diable. Non, mais souvent, il parlait pas l'onction à l'église pour sortir. Mais bien sûr. Non, voilà. Mais c'est ce que parce que même en chantant la musique profane, il y a des messages quand même qu'on véhicule, qu'on tire de la vie. Oui, tu peux véhiculer voilà, des justement. Messages, mais tu ne chantes pas pour la gloire de Dieu. C'est vrai, je ne chante pas pour la gloire de Dieu, mais je veux dire que ce que nous disons souvent dans les chansons conscientise en fait. Oui, voilà. Ça, je suis d'accord. Ça conscientise les gens. Je suis la Bible d'accord. Te dit par exemple, faut pas voler, faut pas tuer. Mmh. Mais dans nos chansons là, on dit non, ne tuez pas, ne commettez pas de meurtre parce que devant Dieu, c'est pas je bon. Je suis d'accord avec toi. Donc, je dis, attends, dans ta chanson que tu conscientises là, où tu dis des garçons et des garçons là, ça conscientise. Non, ça là, ça conscientise parce que c'est un problème que. Il y a des gens qui rencontrent ces problèmes là. Eh, hey, toi, ils sont venus te dire qu'ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Bon, avant de parler des problèmes des autres, est-ce que toi-même à ton niveau, tu es à quel niveau? Non, comme le dirait l'autre, ma maman m'a empêché. Garçon, oui, il paraît que tu as un troisième pied qui est très équivalent et très possédant. Bon. Est-ce que c'est vrai? En fait, pour être franc. Oui. J'ai l'arme qu'il faut. Non, c'est. Non, Paye, tu dis ça, Paye, Johnny. Tu sais pourquoi ton arme qu'il faut là. Je suis là, on a qu'à bien essayer dessus. Il fait les chansons où il parle. Johnny a les gestes, mais les chansons. Derrière, garçon, il y a. Attends. Garçon. Tu vois, il a les gestes. Il a des gestes pour bon, dire que. Johnny, tu sais souvent, là, les gestes ne suffisent pas. Ils ne suffisent pas. Nous, on a mené des enquêtes un peu en profondeur. Ouais, d'accord. Ouais. Voilà, parce qu'on a essayé de. Oui, mais tu sais qu'ici, c'est fa-fa. Paye, tu vas pas venir tous les jours à la place de lui. Mais oui, tu viens que là-bas, tu as les chansons. Derrière, garçon, tu as les gestes. Comme si tu te souviens bien. Attends. Quand moi-même là-même, le diable te dit la vérité. Voilà, je l'ai pas lu. J'ai vu deux de mes ex. J'ai essayé de tirer un peu leur bouche. On me dit, bon, il parle comme ça, mais bon. Il a le pied, mais il ne sait pas travailler. Oui, il paraît que tu as les instruments. Oui, tu as tout. Mais l'utilisation. Tu as marmite, tu as soufflé, tu as louche, tu as tout moi, mais vraiment, quand tu cuisines, ça n'a pas de goût. Qu'en est-il exactement? Non, j'ai l'impression. Quelle impression? Non, je viens. En fait, c'est le goumet qui la fatigue. Ah, je t'explique. Non, explique. Non, je t'explique. Et Johnny, ça là, il faut que tu expliques. Non, je vais expliquer. Mm-hmm. Calmons-nous. Bon, ok. En fait, si tu vois qu'elle dit des choses comme ça, c'est que c'est le fait, c'est la séparation là. Jean, elle veut me faire du mal, elle veut me faire mal. Oui, elle veut me faire mal, raison pour laquelle elle raconte des choses comme ça. Ah, ça, c'est ce que toi, tu penses. Sinon, si tu es passé. Si tu es passé à côté du bâton du pèlerin, non. À côté. Non, je veux dire que si tu as, pour ne pas être trop si vigueur, tu as goûté. Si tu as goûté, c'est-à-dire que si le vent même du bâton si le t'a vent soufflé, même t'a soufflé et puis on t'a laissé, tu as gâté le nom du gars. Parce que c'est un mouvement même là. Non, c'est pas du jeu. Mais Johnny. Donc, Goumé de ça peut la rendre. Goumé de ça peut la rendre. En fait, ça peut rendre la personne. C'est ce qu'elle raconte. Elle est en fait. Sinon, hé, la vérité, elles se connaissent. Elles savent. Mais Johnny. Qui est Johnny? Johnny, oh. Non, ça, là, on va pas. Comme toi, tu es un autre Johnny. Sinon, je t'aurais appelé Johnny le mousseur. Non, lui, mais, là, c'est non. Voilà, comme tu n'es pas Johnny le mousseur, mais Johnny, tu conviens avec moi que ce n'est pas le fait d'avoir un troisième pied très large, très énorme et très long. C'est pas ce que tu veux dire. Le plus important, c'est la façon de pilonner. Mais c'est parce que je sais l'utiliser. Mais justement, ton ex m'a dit que tu as ça. Si c'est ça, là, elle ne discute pas. Elle dit il y a des nerfs tendus dessus. Des nerfs tendus. Voilà, c'est que. Non, laisse des nerfs. Elle dit le pilonnement, c'est pas ça. C'est pas radical. D'abord, mais je vais te dire quelque chose. Celui qui a déjà suivi une prestation de Mr. Johnny en live,
Tu mourras. Non, je viens. Il saura que le gars là, il n'est pas normal si réellement il attrape quelqu'un. Alors, donc, tu as les pantalons moulants, mais non, c'est pas les pantalons moulants. En fait, mais je veux dire que. De la manière je dégage, je suis saine. C'est comment il dégage là-bas. Il ne triche pas. Donc, quand toi, tu t'en prestes là, c'est une manière d'exhiber Papitou. Non, c'est pas que j'exhibe Papitou, mais c'est pour dire que, en fait, c'est le travail aussi qui demande ça. C'est le métier. Oui. Donc, ceux qui sont qui dans le métier, ils sont perdus. Hein? Alors, Johnny, c'est qui Yvette Kouassi pour toi? Tu es allé animer ça là-bas. Non, il faut répondre. Non, je te pose une question. Tu ne sais pas comment. Je ne sais pas de quoi vous êtes en train. Bon, je vais répondre. Yvette Kouassi. Ce nom me dit beaucoup de choses. Et avant même d'entamer, je vais dire ce sujet-là. Ok. Je voulais vraiment dire merci à cette dame. D'accord. Voilà. Yvette Kouassi, c'est une dame formidable. Okay. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Et cette dame, elle a été pour beaucoup dans ma carrière musicale. Ah, ok. Voilà. Elle a été la productrice de mon tout premier album. Ton premier sorti, album. Sorti en 2017. 2017, voilà. Yvette Kouassi. Yvette Kouassi, ok. Ouais. Alors, mais il s'est raconté aussi dans le milieu. Oui. Tu sais que le milieu, c'est le milieu. C'est le milieu. Tu ne peux pas venir t'asseoir ici, sinon on n'est pas allé voir. C'est qui s'est dit dans le milieu. C'est ça. C'est pas faux. Bon, et tu as parlé de ton troisième pied ici. Raconte dans le milieu que tu sortais avec elle. Il paraît qu'elle est passée par là-bas. C'est des choses qui ne sont même pas vraies. C'est pas dit. Non, c'est pas vrai. Donc les gens mentent. Non, ils mentent carrément. Yvette Kouassi, j'ai jamais eu de relation avec cette dame. Je vais dire que c'est quelqu'un, pour être franc, c'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup dans ma carrière. Mais je n'ai jamais été... Je vais dire en relation avec elle. Donc, si je comprends bien, laisse-moi te suivre. Hein. D'accord. La femme ne te connaît pas, elle se lève comme ça, puis elle décide de te produire, d'investir des millions sur toi. D'accord. Pour rien comme ça. D'accord. Est-ce qu'un jour tu n'es pas sorti devant elle en caleçon plaqué? C'est pas possible. C'est pas possible. Jean, la source de motivation. C'est ça qui non, je t'explique. Comme tu dis, tu es un énorme truc. Je t'explique. Vous savez, Yvette Kouassi et moi, on s'est connus où? Moi, je jouais dans un bar puisque je suis beaucoup live. Oui, parce que tu as commencé par carrière dans ce et donc, c'est comme ça, la dame, elle vient en vacances avec son chéri. Donc, dans le bar où on prestait, et elle était là ce jour-là. Et c'est comme ça, elle voit sur scène un jeune homme qui est à fond dans son métier, qui ne triche pas, quelqu'un qui, je veux dire... vraiment qui maîtrise son art. Ouais, vous comprenez? Et c'est comme ça, la dame, après, elle rentre en France. En France, ouais. Elle revient, elle rentre en France, elle rentre en contact avec un de mes vieux pères que je connais, que vous connaissez aussi. Ouais, si, si. Et c'est le vieux père qui m'appelle, qui me dit, ah, il y a telle personne qui veut rentrer en contact avec toi, mais c'est une de mes petites. Franchement, tu travailles bien. Franchement, elle veut t'accompagner, elle veut te donner un coup de main. Et c'est comme là, je venais de sortir de tout ce qui était interprétation en 2016. Oui. Et c'est comme ça, le VIP en question me met en contact avec elle. Et après ça, suit la production. La production. Il n'y a pas eu de... Mais, franchement, il n'y a pas... Mais, y a rien paraît, vous n'êtes pas séparés en de bons termes. Bon, en de bons termes, je ne sais pas c'est quoi vous voulez dire en de bons termes. Parce que vous êtes mal séparés, à ce qui paraît, vous êtes séparés. Après d'argent. Il n'y a pas eu. Est-ce qu'elle a pu rentabiliser parce qu'elle a investi de l'argent sur toi? Est-ce que finalement, elle a eu gain de cause? Bon, moi personnellement, je sais, parce que je le dis tout le temps, je le dis même à mon manager, que franchement, si ma carrière décolle, c'est quelqu'un que je ne peux pas oublier. Ouais. Ça, pour être franc, je le dis tout le temps. Parce que moi, en âme et conscience, je sais qu'elle n'est pas rentrée réellement dans ses fonds. Mais elle a voulu aider un artiste qui se débattait. Voilà. Donc, elle a fait avec le cœur. Je vous dis ouvertement que c'est une dame qui a vraiment la main sur le cœur, qui est très gentille. Donc, elle et moi, et jusqu'à aujourd'hui, même quand je viens en France, on s'appelle. J'arrive même chez elle. Okay. C'est une dame qui cuisine très bien. Bon, okay, mais après, c'est dame elle même chez elle. Oui, après, tu fais un peu. Hein. C'est une dame qui est gentille. Bon, après, c'est vrai que tu dis ça comme ça. Oui. Mais derrière, ce qu'on entend, c'est tout autre chose. C'est différent de ce que c'est normal. Voilà, c'est parce que les gens parlent toujours. Oui. Voilà, c'est tout autre chose. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas te demander. Moi, j'ai dit ça cash direct. D'accord. Votre génération, vous êtes taxé de beaucoup d'être des personnes très ingrates. D'accord. Et surtout beaucoup de gigolos. Des gigolos. Hein. Parce qu'en général, regarde, c'est déjà aussi. Il y a un souci au niveau, un nouveau souci encore. D'accord. Avec une amie, Sabine Event, qui a un problème aussi avec Kamikaze Zouglou. Oui. Il y a eu production.
Et puis bon, voilà, aujourd'hui, c'est les clashs, tu vois. Ouais. Et bon, maintenant, pourquoi vous-même toujours là? C'est toujours les femmes là qui viennent vous produire. Expliquez-nous aussi ce côté-là. Parce qu'ils sont gigolos. Parce que on a vu hommes... Prométhée Révolution. Ouais. Enfin bref. Il a plus mal perdu là encore. Bon, moi personnellement, concernant ce. Et puis vous allez vous faire produire par les go benguistes, hein. Je ne sais pas, ici en Côte d'Ivoire, non, pas de produit. Mais surtout quand tu as un pied énorme, s'il te plaît. Non, non, en fait. Chola, je veux dire que les... faire une proposition de production. Je veux dire que les choses viennent d'elles-mêmes. Ouais. Vous voyez, les choses viennent comme ça. On ne force pas les choses. Moi, je n'ai jamais forcé quelque chose. Okay. Tu vois, j'ai pris mon temps de bosser. Quelqu'un m'a vu. Ah, je veux t'aider, je veux te donner un coup de main. Ça arrive. Il y a plein qui promettent, qui font des promesses en fait. Mm-hmm. Mais ces promesses-là, ils ne l'ont jamais réalisées. Mm-hmm. Vous comprenez? Mm-hmm. Donc, je veux dire que c'est vrai que ces derniers temps, nous sommes indexés. Mais en même temps aussi, nous aussi, on rencontre beaucoup de difficultés en fait. Non, parce que c'est votre génération là. Oui. C'est le go. Sinon, autant des yodés, si on n'a pas les histoires là. Mais si c'est les femmes là qui, je veux dire, qui vous aimez les niais, non, vous pas les niais, ça n'a rien à voir. Si, si, parce que dans le milieu du Zouglou, enfin, je parle de la nouvelle génération, il y en a qui sont mariés à des femmes plus âgées, qui roulent de grosses voitures. Bah, moi, personnellement, je suis avec ma chérie, oui. Ça fait près de 15 ans. Vous êtes marié légalement? On n'est pas marié légalement. Donc, toi, tu... Je l'ai doté. Toi, tu as un enfant. Non, je viens, je l'ai doté. 15 ans, c'est dot seulement. Oui, j'ai fait la dot. Mais vous, là, vos étudiants, vous, nous avez étudié. Vous avez étudié les gens, hein? J'ai fait la dot. Hein? 15 ans pour étudier en fin de quelqu'un. Oui, 15 ans. Non, mais je veux dire que le mariage, là, pour moi, c'est. Moi, personnellement, le mariage, c'est pas. C'est rien pour c'est moi. C'est pas la mairie, quoi. Ah, c'est, non, c'est, non, 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 non. Je viens, c'est rien pour moi parce que. Ça, chacun a sa manière de voir les choses. Hein. Okay. Je peux me lever aujourd'hui et puis aller épouser ma femme tranquillement. Mais si c'est rien pour toi, peut-être que c'est quelque chose pour que la personne avec qui tu es. C'est ça. Je sais, mais je veux dire que la personne et moi, nous sommes complices, on se parle, on sait à quel moment ça va se faire. Mais ok, je suis d'accord avec toi. Ça va se faire. Mais 15 ans oui. d'études de toi à moi. Tu, attends, attends, Johnny, je n'ai pas fini. Attends, je vais terminer. 15 ans d'études. On ne parle pas de 5 ans, on ne parle pas de 7 ans, on ne parle pas de 8 ans. On parle de 15 ans. Mm-hmm. Johnny, toi-même, tu es garçon, avec un pied énorme. Tu as assis dans notre chaise jaune. Est-ce mais que le pied si on fait ça, mais c'est ça, tu mets en exergue, non? Donc, c'est de ça on va parler. Non, si je... toi-même, on fait ça mais à ta là, soeur. Le pied là, même là. Là, laisse le pied du gars. Le pied là, faut laisser. Parce que parlons plus de. Mais quand ça va faire les prestations et puis porte les pantalons plaqués, le pied dort sur le côté non, là, non, c'est non, moi non, qui non, lui dis de faire ça. C'est le prix que lui-même il a donné là, c'est ça, ce prix auquel je l'achète. C'est tout. Tu as mis ton pied en exergue. Hein? Donc, nous parlerons non, de ce pied. Non, mais moi, je fais ma prestation. Maintenant, si tu as vu le pied, ça, c'est plus à mon niveau. Mais donc, comme tu es là et que tu es reçois en tant qu'artiste, c'est plus à mon niveau. On va parler de ce pied parce que ton pied fait partie de ta prestation Chola, scénique. S'il te plaît, maman. Non, laisse je ne laisserai pas laisse le pied. Laisse le pied. Je laisse le pas pied. Le pied, là, ma carte, reste tranquille. Je ne vais pas laisser ce pied. Pas ce pied, là. Attends, tu es venu de ta pied. Donc, dans la cause, nous pouvons parler de ce pied. C'est la question que vous m'avez posée. Sinon, le pied, la même. Et en plus, les chansons qu'il fait sont basées sur le pied. Non, le pied, j'ai parlé du pied, c'est pour sensibiliser. Mais comment est-ce que. C'est la même. Attends, je suis là. Tu as le problème du pied. Johnny, attends. Là, fais-moi un acapella du morceau, là, rapidement. Elle a gesté. Un acapella. Moi, la femme bouffe pas mon argent. Oh, on me donne cadeau. C'est fini? C'est tout. Oui. Bon. Parce que si elle parle trop là, ouais. C'est parler de pire. Le geste là. Bon. Le geste de pas bouffer ton argent. Mais toujours dans la chanson là. Quand tu commandes. Parce que en fait, dans la chanson même, c'est vrai, on parle du pied. Mm-hmm. Mais il y a aussi des conseils que je donne dans la chanson. Non, on est d'accord avec ça. Mais parce on dit que. Maintenant, l'autre parole que je suis là, c'est quoi? C'est ça là qui nous intrigue. Après, maintenant, tu dis quoi? Parce que en fait, les garçons aussi là, eux, ils vous fatiguent. Mais c'est normal, si toi-même tu mets femme dans le foyer, non, tu n'as pas le non, mais 15 ans, tu as parlé de ta femme. Non, ça c'est. Moi je pensais que ça fait 15 ans que je suis mariée. Je suis un mariage. Ça fait 15 ans. Et puis on parle de mariage. Pourquoi? Attends, je n'ai pas terminé. Je disais, oui. Toi-même là-haut. Tu étais 10 ans. Toi-même là-haut, tu es un homme. Tu as des soeurs, non? J'ai une grande soeur. Voilà. Si un homme prend ta soeur, il met dans le foyer. Il fait dot. Et puis, depuis 48 ans, elle est dans quoi? Elle attend. Je vais lui dire, elle n'a qu'à continuer. Non, mais ça dépend. De quoi? Ça dépend de ce que vous vous êtes dit. Je veux dire que ça dépend de comment vous voyez la chose. Tu ne vas pas décaler, réagir sur son doigt. Non, c'est la vérité. Non, mais ça va arriver.
Je suis dans la situation de ta femme, je suis énervé. Tu sais pourquoi? Parce que moi-même, depuis ça fait 18 ans, on m'étudie. Donc, tu es une étudiante de ta mère. On m'étudie. Université de 18. Non, donc, on m'étudie. Paris 18e. Je voulais. Donc, vous voyez les gens comme Johnny? Non. Pour Johnny, là, c'est Paris 15e université. Paris 15e. Là, Paris 46e aussi. Là, actuellement, elle me regarde. Elle sait que je vais l'épouser. Et le moment viendra. C'est Dieu qui décide. Mais en même temps, elle ne rajeunit pas. Non, mais t'inquiète pas. Ça, c'est rien. Après, tu vas trouver qu'elle est vieille. Non, jamais. Ces Bobitana jamais. Sont arrivés sur ses genoux. Tu vas trouver que la piterie du quartier est vieille. Non, il y a certains qui me disent. Il va fuir pour aller prendre une nouvelle. C'est pour ça que depuis, je ne pas se marier. Non, mais ceux qui me connaissent réellement, ils savent que je suis bien éduqué. Vous avez combien d'enfants? Ils savent ce qu'on a 3 enfants. Eh, Johnny, tu es mauvais, hein? Non, tu es méchant. Je te dis ça aujourd'hui. Parce que si tu ne l'as pas épousé, 3 enfants, mais qui la prend? Non, je viens, c'est même pas 3. Parce que. La question est tellement venue vite, je me suis trompé sur le nombre. Aïe. Voilà. Comment? Aïe. Sinon, ce n'est pas 3. Viens m'entrer pas. C'est pas 3. Mais c'est combien? C'est 4. Voilà. Venu ton cœur et moi, hein? C'est 4. Parce que la dernière, elle est venue il n'y a pas trop longtemps. Toi aussi, tu es assise dans le foyer, ça ne te dit rien. 15 ans, 4 ans. 15 ans, 4 enfants et puis, ça, il ne t'a pas balayé, ça ne te dit rien. Elle sait que je vais l'épouser. Elle sait que... Elle est faite Johnny, pour moi. Donc, il y a rien à dire. Ça, c'est même pas un débat. On va te faire la délivrance de ton célibat. Chez nous, on va rouler là. Chez nous, on va rouler. Exemple, on avait ça. Non, c'est même pas un débat. On dit, on pluie 8 dé. C'est même pas un débat. C'est ton cœur et moi, hein. Non, c'est pas un débat. Bon, Johnny, pourquoi quand tu es parti en Mengue, tu n'as pas calé là-bas? Il est parti comment déjà? Par avion ou par pinasse? Non, par avion. Ah, d'accord. Bon, comme beaucoup, on a reçu l'unique qui a nagé. Ouais, la nagé. Ouais. Bon, pour être franc, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. De caler en Beng. Ça ne m'intéresse pas de caler à Beng. Pourquoi? Parce que ça, c'est des ambitions. C'est des ambitions que j'avais quand j'étais encore au collège. Voilà, je veux aller en Europe, je veux caler. Mais actuellement, franchement, ce n'est pas le premier de mes soucis. Est-ce que ce n'est pas les réalités de Bengue qui ont cassé ton élan? Parce que bon, tu es allé, tu as vu un peu comment ça se passe. Tu t'es dit, ça ne me sied pas certainement. Bon, personnellement, ce n'est pas la réalité. Mais je veux dire que déjà ici, je suis bien implanté. Voilà, j'ai quand même un petit business. Et puis, aller vivre en Europe, aujourd'hui, on sait les réalités, comme tu le dis. Il y a trop de recommencements, en fait. Exactement. Voilà, trop de recommencements. Donc, personnellement, c'est ça. Et en dehors de la musique, qu'est-ce que tu fais pour arrondir tes fins de mois? Bon, on a les petits business. Les petits trucs qu'on fait. Tu vends quoi? Tu es comme le père d'Aloi, tu vends ceinture et chapeau. Bon, on a quand même des petites fermes, on a investi un peu dans l'élevage, des choses comme ça. On dira faire des trucs là, ça paye, hein? Ça paye, hein? Non, mais moi, pour ne pas mentir, c'est depuis quand j'étais même dans les orchestres que j'ai commencé mon business. J'ai pas attendu. T'as pas attendu? Non. Ah, mais c'est très bien. Depuis l'interprétation. Mais pardon, pour épouser la fille là maintenant. Alors, je vais l'épouser. Alors, Johnny, Chola, j'ai une question très pertinente pour Johnny. En 2018, tu fais un accident grave de la circulation. D'accord. Voilà. 2017. Et pardon, 2007, oui. Et tu perds l'un de tes managers. Et certains de ses parents t'accusent même d'avoir sacrifié leur enfant. Si, si. Pour avoir du succès. Ouais. Comment tu as vécu ce moment-là? Merci beaucoup, Vip. Attends, il y a des lunettes là. Ouais, parce ça, c'est une vraie question. Très sérieuse. Hein. Vraiment, c'est. Jusqu'aujourd'hui, quand je pense à cet accident, j'ai mal parce que. Déjà, je dis paix à son âme. Olivier qui est parti un peu tôt, parce que c'est quelqu'un qui m'aimait, qui était là comme ça à côté de moi. Il aimait ce que Mr. Johnny faisait. C'est pas que je lui donnais l'argent, je lui donnais des millions. Il gagnait rien même parce que c'est en 2016 que ma carrière débute, 2017. J'ai une tournée avec une société immobilière de la place. Et c'est comme ça, il était le troisième manager. Voilà. Franchement, les gens ont raconté beaucoup de choses. La famille même m'a accusé un moment. Mais vous savez, quand tu n'es pour rien, Dieu fait ton palabre. C'est ça. Voilà. On est parti à Boaké. Et la veille du départ, j'ai dit au manager général, franchement, je ne peux pas partir avec tout le monde. Il est mieux qu'un des managers reste à Abidjan. Là, je pars avec deux. Et... C'est comme ça que le manager général l'a appelé pour lui dire « Ah, l'artiste aurait souhaité que comme il joue déjà le dimanche, parce que le spectacle du samedi était prévu, pour Boaké était prévu le samedi. Le samedi ouais. Donc, reste à Bujon. Quand l'artiste revient, toi, tu coordonnes déjà la soirée du dimanche à Yopougon. Bon. Dieu seul est témoin. Le manager a insisté.
Il dit non, que non, mais vraiment, c'est pas possible. Chaque fois quand nous, on voyage, c'est toujours le même tuyau. Voilà. C'est lui qui reste à chaque moment. Ouais. Lui, il ne sait pas voyager. Et le manager m'a appelé et me dit, ah, mais toi-même, tu vois la situation. Mm-hmm. Ce que DA, on nous donne là, c'est petit. Donc, pardon, il faut le convaincre. Il a appelé, il a tout fait. Le gars ne voulait pas. Mm-hmm. C'est comme ça que le manager m'a dit, bon, laisse-le, on va aller ensemble. Là, c'est vraiment parti. Et c'est comme ça on part. Lui-même, déjà, mm-hmm. deux jours avant, il est à Boaké. Ah, il est allé même avant. Il allait parce que il connaissait quand même des personnes qui je vais dire, ouais, sur le, la, sur, voilà, sur le terrain, en fait, pour aller coordonner certaines choses. Mmh. Donc, c'est comme ça, il part, il nous dévance. Et on arrive là-bas après, le samedi, je fais la prestation, on retourne sur Abidjan. Et c'est à quelques kilomètres d'Abidjan. D'Abidjan. Le chauffeur, il dormait au volant parce que la veille... Au lieu d'aller se reposer, il était en ville. Il allait gazer. Non, il n'était même pas en ville. Il est parti à la prestation pour me regarder. En temps avant de partir, j'ai dit au manager, dis au chauffeur, parce que de la manière je le vois là, je sais qu'il est fatigué, il n'a qu'à se reposer. Et après ça, il était là-bas avec nous. Et on part à Abidjan, à quelques kilomètres. Il dormait au volant. Et c'est comme ça, on fait une sortie. Sortie de route. Fait tonneau. Voilà. Et dans l'accident, malheureusement, c'est lui qui reste. En plus de lui, il paraît qu'il y a eu beaucoup de blessés graves, mais que toi, tu n'as même pas eu une égratignure. Oui, il y a eu des membres de mon orchestre, mm-hmm. il y a eu des fractures, il y a tout eu bon, voilà, des déboîtements, des choses comme ça. Si, si. Mon premier manager, il y a eu des blessures, mm-hmm. mais moi, personnellement, j'ai eu comme égratignure quelque chose sur le bras ici. Bon, comme il y a, mm-hmm. j'ai la chemise qui est là, j'ai pas eu grand-chose. Mm-hmm. Voilà, j'ai pas eu grand-chose. Et tenez-vous bien, le jour même du voyage... Quand je suis arrivé, c'était à Figayo. Okay. Vu que je n'étais pas véhiculé, c'est un petit véhicule Massa qu'on a pris de partie. Mm-hmm. Mais j'ai fait parler même à mon manager. Parce qu'il était assis devant. Je lui ai dit non, mais moi je suis coincé. Il a dit, mais il y a ma place. Il me dit non, que c'est derrière le chauffeur. Il a dit, mais il peut m'asseoir là-bas. Mm-hmm. Moi je suis l'artiste, je suis coincé dans un coin. Tu connais les artistes. Donc. Bien sûr. Donc là, il a commencé à tempêter. Non, je suis coincé, il a commencé à me plaindre. Et chose bizarre, le manager dit, l'artiste, il faut t'asseoir là-bas. C'est cette place-là que moi il est prévu pour toi. Le reste là, c'est quel manager qui dit, celui qui est décédé? Non, le manager général. Le manager principal. En son temps principal. Ouais. Il dit, c'est là-bas, moi, il a choisi, pourtant, il faut t'asseoir là-bas. Donc là, moi aussi, elle sent chaud. Mmh. C'est devenu une petite discussion. C'est le second qui nous a dit, non, l'artiste, il faut te calmer. Et c'est comme ça, après, bon, j'ai laissé tomber. Tu es monté à la place derrière le chauffeur? Derrière le chauffeur. Okay. Au retour, on fait un accident. Le manager général est gravement blessé. L'agent aussi est blessé. Mmh. Moi, j'ai une égratignure. Et l'autre est décédé? L'autre est décédé. Bon, peut-être que Dieu était en train de me sauver. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne sais Est-ce pas. Est-ce que ce n'est pas justement pour ça que les parents t'accusent d'avoir sacrifié leur enfant? Parce que tout le monde a quelque chose. Hein? L'autre même perd la vie. Et toi, égratignure. Mais, non, mais je veux dire que c'est un accident. C'est arrivé. Mm-hmm. Moi, je suis au courant de rien. Ça veut dire que Dieu, peut-être, je ne peux pas contrôler quelque chose. Il est à l'intérieur aussi. Je suis à l'intérieur aussi. Mais maintenant, pourquoi Dieu a sacrifié le jeune? Non, mais Dieu seul sait que même le jour où on devait partir, il est là aujourd'hui, son âme peut-être m'écoute. Je me suis opposé. J'ai dit, je veux qu'il reste à Abidjan. Franchement, ce qui devait arriver là, ça devait arriver. Il s'oppose à son départ. Il s'oppose. Il dit, non, mais pourquoi lui, à chaque moment, c'est lui qui doit rester à Abidjan. Il se plaint même. Donc, ce qui est arrivé, franchement... Et comment tu as réagi face aux accusations de la famille? Non, mais, Chola, je viens, je n'ai pas fini. Donc, avec toutes ces accusations, quelque chose dans mon intérêt me disait, laisse, tout ce qu'ils vont dire. Mais j'avais mal. Par moments, même, je me mettais dans un endroit de la maison et puis je pleure. J'ai dit, mais ma carrière n'a même pas encore décollé. Je n'ai rien. Je suis en train de me débattre. Enfin, des gens me suivent. On s'en rend quelque part. Il reste. Olivier, il t'a dit, il faut rester. Regarde dans quoi tu me mets. Mais à la veillée, j'ai certains vieux pères qui m'ont dit, non, il faut rentrer à la maison. Il faut partir. Tu n'étais pas le bienvenu. Non, c'est pas que j'étais pas le bienvenu, mais j'étais là, je pleurais tellement. Ils sont venus vers moi pour me dire, rentre. Même le père de celui qui est décédé, son papa vit en Europe. Quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il a cherché à me croiser. Parce qu'il entendait un peu de trop, il a cherché à me croiser. Et puis je lui ai expliqué les faits. Il m'a dit, mon fils, rentre à la maison. Ce que tu peux faire, il faut faire. Moi, je vais enterrer mon fils dignement. Et là, je vais dire, l'esprit tranquille, son père. Parce qu'il était, le fils unique de son papa. Mais figure-toi qu'il devait marier sa femme en décembre et en novembre, il décède. Mais j'ai très mal quand je parle de ça aujourd'hui.
Ouais, mais après, tu n'y es pour rien. Et après, on va dire que c'est la volonté de Dieu. À l'enterrement, je ne suis pas parti parce que le manager m'appelle, me dit non, il faut rester parce que c'est un peu trop fort. Si tu viens ici, j'ai dit d'accord, j'ai compris. Moi, j'avais déjà, j'étais en route, je voulais même venir, il m'a appelé pour me dire non, reste. À cause des émotions. Voilà, donc reste à la maison. Ouais. Et après, une heure du temps après, il me rappelle, il dit Joe, tu as où? Il dit ici à la maison. Il dit, hé, hey, ce qui se passe ici là, c'est pas bon. Hein. On est en Afrique. Hein. Mm-hmm. On est en Afrique. Il y a une fille qui est tombée en extase là-bas. Elle a commencé à tout jinzin. Vous m'avez tué. Je voulais me marier à ma chérie. Vous m'avez tué. Mais vous m'avez tué. À cause des biens de mon papa, vous m'avez tué. Bon. Afrique. C'est compliqué. L'Afrique. Mm-hmm. Et c'est ce qui est revenu après. Comme réponse, on m'accusait. Mais là, maintenant, là, ils sont en train de parler d'autre chose. Mm-hmm. Donc, je ne suis pour rien. Je ne suis pour rien. De la manière que vous m'avez tué là, vos enfants ne vont jamais se marier aussi. À cause des biens. Bon, voilà, il y a eu trop de choses en fait. Donc je ne vais pas rentrer dans ça. Ouais. Franchement, Olivier, de là où tu es, sache que je ne vais jamais t'oublier. Et puis, paix à ton âme. Repos à lui. Alors, quelles sont tes relations avec Samy Succès? Bon. Samy Succès, je n'ai pas de problème avec lui. Bon, là aussi, ton bon que tu as dit là. J'ai pas de problème avec lui. Voilà. Un petit soupir derrière. J'ai pas de problème avec lui. Mais j'ai un problème avec sa façon. J'ai un problème avec son staff et puis leur façon de travailler. Et comment ils travaillent justement? Voilà. Vous savez, moi personnellement, je me suis construit dans ce milieu-là. Mm-hmm. Voilà. Je me suis construit. Pourquoi je dis je me suis construit? Parce que j'ai pris, pour ceux qui me connaissent réellement, ils savent d'où j'ai commencé pour être là. Parce que je n'ai pas sauté les étapes. D'abord, un, celui qui m'a fait, celui qui m'a appris le live, il s'appelle Papa Wampier, le père de DJ Arafat. J'ai travaillé avec ce monsieur pendant près de 3 ans. Là-bas, ça ne badine pas. Ceux qui ont connu Papa Wampier, ils savent que c'est quelqu'un, il ne mâche pas ses mots. Donc, j'ai appris auprès de lui. Et aujourd'hui, j'ai bataillé des bas jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, Dieu m'a donné ce don-là. J'ai pris la peine, quand j'ai quitté les interprétations, de former mon orchestre depuis 2016. Mm-hmm. Voilà. Et le dernier orchestre que j'ai formé avant de quitter l'interprétation, bon, pour ne pas faire de publicité, sinon, c'est les Requins du Zoubou. J'étais le lead vocal. Et c'est après que j'ai appelé le petit Claire, là, Eman. Mm-hmm. C'est après que je l'ai appelé et puis il est venu. Donc, il y a plein de groupes comme ça que j'ai formés au milieu, dans le milieu interprétation. Et là-bas, ils savent qui est Mr. Johnny. Mm-hmm. 2016, je mets un break. Moi, je t'ai déjà vu dans les périodes bas. Ouais, dans le temps qu'on dans venait. Le temps. Ouais, au début du coupé décalé. Au début même du coupé décalé. Tu nous as fait vraiment vibrer dans les périodes bas. Je me souviens très, très bien. Merci les années 2003-2004. Voilà. Donc, en 2016, je décide de former mon orchestre, la Johnny Team. Et tiens-toi bien. Mon idéologie, c'était quoi? C'est vrai, il faut prendre des musiciens aguerris, mais on vient tous de là. Mm-hmm. Ça va me fatiguer. Okay. Déjà, même là-bas, on est star. Le guitariste, il est star. Donc, qu'est-ce que je fais? Je récupère des nouveaux musiciens, des gens qui ont peut-être le B.A.B.A. Qu'on peut former facilement, si réellement, ils veulent réellement apprendre. Ils ont l'envie, ouais. Voilà, ils ont l'envie. Et c'est comme ça que je récupère des éléments en 2016. Donc, depuis 2016, j'ai mon orchestre, la Johnny Team. Mm-hmm. Je récupère des leads, des chanteurs, choristes, comme doublure, mm-hmm. comme musicien, batteur, et puis je forme mon orchestre. Oui, mais depuis, tu ne nous dis pas exactement le je viens, avec Samy Succès. Je forme mon orchestre. Donc, je veux dire que de mon orchestre là, moi quand tu arrives là-bas, si tu ne sais pas chanter, je te donne peut-être 1 mois, 2 mois, tu sais chanter. Niveau orchestration, je te montre réellement comment ça se passe parce que je suis allé à la bonne école en fait. Mm-hmm. J'ai pris mon temps de travail. Donc quand je te récupère là, quand tu sors de là, tu as guéri. Donc ce qui m'a fâché, je vais expliquer les choses en fait. Mais moi je ne peux pas prendre des gens pour les former. Pour leur donner un niveau chanson, orchestration. Et puis, il y a certains artistes qui vont passer derrière pour les récupérer.
Okay. Mais c'est un boycott en fait. C'est ce que Samy a non, fait. Je ne sais pas si c'est lui qui a fait ça, mais son staff managériel, là, ils savent que Johnny, là, il a pris des gens et puis il a formé son orchestre. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement, concrètement? Parce que bon, tu parles, mais non, au final, on ne te suit pas véritablement. Je t'explique. Qu'est-ce que le staff de Samy Success a fait? Je t'explique. Et comment se fait que ces gens que tu as formés se retrouvent avec lui? D'accord. Vous savez, aujourd'hui, là, nous tous, là, on est tous artistes. On aspire à devenir grand. Ou à avoir voilà. Mieux. Ou peut-être qu'il y a des payés mal ou bien il y a tout. Non, je viens. Okay. Tu sais, quand moi je pars... Si tu viens souvent, hein. Je viens. Ah. Quand je pars en 2016... Il vient souvent, ouais. Quand je pars... Il vient souvent, hein. Quand je pars en 2016, quand je fais asseoir mes musiciens et puis je parle avec eux, je leur dis, vous savez, j'ai pas de production, mais je veux que vous m'accompagniez dans quelque chose. Quand ça va être bon, nous tous on profite. Ok. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est une école. Moi... J'ai toujours répété, chaque semaine, j'ai à la limite 2 répétitions et à mes frais. Mais quand tu viens aux répétitions, là, tu sais, en force de répéter, de travailler, il y a des carences que tu avais, automatiquement, tu te mets à jour. D'accord. Voilà, je viens, j'ai pas fini. Parce qu'en fait, le temps, il n'y a pas de temps. Voilà. D'accord. Donc, on veut aller à l'essentiel. Maintenant, que s'est-il réellement passé? Ce qui s'est passé, voilà. ce que j'ai déploré, le staff de Samy sait. Que tel musicien, tel choriste, tel batteur, ou bien je dis n'importe quoi, travaille avec Johnny. Puisqu'on se côtoie, on se connaît. Mm-hmm. Voilà. Donc tu ne peux pas aller faire la cour à un musicien d'un tel artiste. D'accord. Mais c'est mal vu. Le musicien qui est là, lui, c'est vrai, lui, c'est son Jay, il regarde. Hein. Bah voilà. Moi, voilà. Je suis pas. Je viens. Mm-hmm. C'est vrai, je reconnais que. Je ne suis pas en vogue. Mais même quand tu dois le faire, il est mieux de passer par la voie légale. Mais, tu peux appeler. C'est pas déjà légal. Appelle la voie légale. Est-ce que tu as ce contrat avec les musiciens? Non, mais tu peux appeler. Je ne suis pas sur contrat avec eux, mais il y a un contrat moral qui nous lie. Mm-hmm. Tu peux appeler mon staff. Je veux dire en bon terme, en fait. Non, attends. Tu peux Oui, vas-y. Toi, quelqu'un veut prendre tes musiciens. Mm-hmm. T'enlever quelque chose que tu as travaillé, et puis toi, il va t'appeler pour te dire bonjour. Je dois te prendre les gens avec qui tu travailles. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de logique dans ça? Je viens, je t'explique. Ah. Non, il y a une logique. Laquelle? Je t'explique. Ok. Voilà. Tu peux appeler mon manager ou bien tu appelles mon staff. Mm-hmm. De manager à manager, ça se gère. C'est ce que je veux dire. Ça, c'est qu'il y a des appointances. Mais c'est de ça que je veux parler. De manager, je viens. De manager à manager, ça c'est gênant. Est-ce que moi, tu veux voir les relations que toi, tu as avec Samy Success? Oui. C'est quoi exactement? Vous côtoyez? Vous bon, êtes quand amis? On se croise, on n'est pas amis. Quand on se croise, on fait ça. Vous connaissez juste comme ça. Voilà, comme en tant que deux artistes. Bien sûr. Mais il n'a pas à te demander la permission. Non, c'est même pas à moi qui demande. Moi, je ne parle pas de lui. Je dis, je parle de son staff. Le staff n'a même pas à te demander. Pourquoi? C'est le calcio, il y a les transferts. Non, mais pourquoi? Eh bien, c'est le game. Non, mais c'est le game. C'est le game. Non, mais voilà pourquoi je dis. Si je mets le staff de Samy Success aussi, forme des gens, tu as le droit d'aller récupérer. Non, moi je fonctionne bon, pas. Bon, il y a donné ici, non, hein. Non, je prends un exemple simple. Voler. Je viens. Ouais. Je prends. Mais c'est des voleurs. Viens, je prends un exemple simple. Hein? Mm-hmm. Je prends Yabongo. Mm-hmm. Okay. Je prends Yabongo. Yabongo, nous tous, on a vu ici. Il a pris ses musiciens de quelque part et il est resté avec ses musiciens jusqu'à aujourd'hui. Okay. Même la doublure qui est à côté de lui. Mm-hmm. Mais ça fait des années qu'il travaille avec lui. Mm-hmm. Mais pourquoi ils ne vont pas là-bas? Mais parce qu'ils n'ont pas proposé quelque chose. Non, mais pourquoi ils laissent ça et puis... Mais c'est même pas Samy seul. Pourquoi ils ne vont pas là-bas? Pourquoi c'est à chaque moment... C'est ce que moi, ils récupèrent pour envoyer quelque part là. Mais c'est eux. Donc finalement, tu as un bon formateur. Non, mais c'est un boycott. Tu as l'impression que c'est un boycott. Tu as l'impression que le boycott. Tu as l'impression que le staff de. Parce que je ne peux pas. Je viens. Attends. Allons doucement, parce que moi, finalement, je ne te suis pas véritablement. Tu vas me suivre. Non, on n'a pas assez de temps, on ne va pas se mentir. Moi, je veux qu'on aille à l'essentiel. D'accord. Samy Success, tu dis que tu n'as pas de problème avec lui personnellement, mais tu as un problème avec son staff parce qu'ils viennent récupérer des éléments que toi, tu formes. Oui. D'accord. Regarde ta caméra et puis dis exactement ce que tu as sur le cœur vis-à-vis de Samy Success et son staff managérial. D'accord. J'ai pas de problème avec l'artiste Samy Success, mais en fait, ce que je déplore, c'est le fait que, sachant bien sûr les personnes avec lesquelles je travaille, que ce soit danseur, musicien, je ne peux pas... je veux dire, le staff ne peut pas se permettre d'appeler même peut-être mon danseur ou moi-même, je suis sur scène, parce que ça a été une fois, je suis sur scène et on appelle mon danseur comme quoi ils ont besoin de lui. Samy doit jouer quelque part, il y a le danseur de Samy qui n'est pas là, ils ont besoin de lui pour venir travailler. En tant que moi, j'ai besoin de lui
sur ma scène aussi pour bosser. Est-ce que c'est normal? Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que tu as cherché à rentrer en contact avec Samy Succès lui-même pour lui dire voilà ce que ton staff fait? Non, je n'apprécie pas. Est-ce que lui, il a cherché de rentrer en contact avec moi aussi? Mais c'est toi qui te sens trahi. Non, donc mais c'est à toi de prendre des devants pour aller vers lui pour lui dire. Je veux dire qu'il sait. Tu n'aimes pas ce qu'il fait. Non, il sait. Parce que les managers qui sont à côté de lui là travaillent avec lui. Il sait. Bon, d'accord. Voilà, je veux dire, il sait. Samy Succès. Le problème, il est où? Mr. Johnny dit. Voilà. Arrête de prendre ces éléments. Non, mais c'est déjà fait. Moi, je parle de ça parce que c'est pas la bonne manière, en fait. D'accord. Même le dernier qui est avec moi aujourd'hui, ma doublure qui est là, mais il est convoité. Un petit moment, il est récupéré à l'église. Par d'autres artistes. Non, je vais par d'autres artistes. Ils sont là, ils savent. Ça, c'est pas. Tu sais quoi? Il y a les neufs sur les tropiques. Nous, on est en télé. Oui. Chola, elle a un mois ici. Elle est convoitée tous les jours. Mais je dis pas. Si elle s'en la beauté. Moi, je dis pas. Mais en ce moment, quand on dit non, la famille là, en Zouglou, là, en Zouglou, c'est une famille. Pourquoi on dit ça? Mais il y a des artistes aujourd'hui là qui sont restés avec leur orchestre, leurs musiciens pendant des années. Alors, ok, donc parlons de Zouglou. Parlons de Zouglou. Bien sûr. Quel est ton regard critique sur le milieu Zouglou, le comportement au sein de ce milieu, qu'est-ce que tu déplores le plus? Ce que je déplore le plus dans le milieu Zouglou, franchement, c'est l'hypocrisie. D'accord. Voilà, l'hypocrisie. Les gens, ils sont dans un. Puis, ils ont des clans, en fait. Ils sont dans un truc là. Ils sont dans un faux semblant. Et puis, bon, on est un dans. Un faux semblant d'union, quoi. Voilà, d'union, de. Non, Johnny, c'est mon gars. Johnny m'entend dans le fond. Bon, voilà, il y a trop de choses. Okay. Parlons de MBC, la génération consciente. Oui. Il se passe quoi avec? Bon. Johnny Mondial, il a problème avec les gens. Non, j'ai pas de problème avec les gens. Moi, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas quelqu'un qui bavarde beaucoup. Mm-hmm. Voilà. Il y a quelque chose que j'ai déploré chez MBC, président de la génération consciente, que je salue au passage. Franchement. Tu déplores quelque chose, j'ai vu que tu le salues au passage. Non, je le salue au passage parce que. Tu sais, non, je peux être avec toi, on n'est pas ennemis, je peux te saluer, mais ce que tu as fait là, je n'ai pas aimé. Il a parlé de ça, c'est de ça qu'il a question. Ouais. Voilà. Donc vas-y. Allez. Voilà, ce que je n'ai pas aimé, ce que j'ai déploré chez le président MBC. Mm-hmm. Moi, je pense que quand déjà un artiste prend la peine de mettre ton nom dans une chanson, je pense que pour déjà ce tac là, c'est un acte de grandeur en fait. Mm-hmm. Parce que la personne te respecte aussi. En fait. Exactement. Voilà, c'est pour t'honorer. Sinon, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Mais on le fait parce que pour nous, c'est une façon d'honorer la personne. Et quelles sont les raisons pour lesquelles tu rentre en studio. Tu as des griefs contre président MBC. Je rentre en studio, je fais un maxi single. Après le maxi single, j'ai une tournée européenne. Et je rentre encore en studio pour faire une chanson avant de partir pour ma tournée européenne. Mmh. Et c'est dans cette chanson-là que je spotte le président MBC de la génération consciente. Et vous connaissez, hein? Bah oui. Ok. Parce que ma première tournée, il m'a reçu chez lui. D'accord. Voilà. Donc, je le spotte dans la chanson. Mais vous savez, quand on fait une chanson... C'est, je vais dire une chanson, on creuse. L'artiste, il va loin pour trouver d'abord l'inspiration. C'est ça qu'on appelle l'œuvre de l'esprit. Voilà, l'œuvre de l'esprit. Donc, tu vois, c'est quelque chose qu'on n'explique pas. On fabrique, ça se vit. Mm-hmm. C'est ce que tu sens que tu donnes. Donc, j'ai senti qu'à telle partie de la chanson, je peux mettre le nom de président. Je peux le spotter. Voilà, je peux le spotter. Et c'est ce que j'ai fait. Mm-hmm. Et après l'enregistrement de la chanson, qui n'était même pas encore sortie, je lui ai envoyé la chanson Inbox. Vu que pour qu'il écoute. Et il a écouté la chanson. Et le même jour, il n'a pas répondu. C'est le lendemain, il m'a appelé. Mm-hmm. Il me dit, Johnny. Non, il ne m'a même pas appelé. Il a laissé un message WhatsApp. Et c'est là qu'il me dit, Johnny, il a écouté la chanson. En tout cas, la chanson, elle est belle. Vraiment, merci beaucoup. Mais encore. Mais, Johnny, moi, je suis comme ça. Quand quelque chose ne me plaît pas, je le dis. Voilà. Donc, pour te dire que c'est vrai, tu as pensé à moi, mais ce n'est pas mon nom que tu as chanté dans la chanson. En tout cas, ce que tu as dit là, président MBC là, ce n'est pas de moi que tu parles. Que moi, je fais beaucoup en diaspora ici pour la Côte d'Ivoire. Je travaille pour la Côte d'Ivoire. Je suis président d'une institution MBC, le président de la génération consciente. Donc, si un artiste doit me spotter,
il doit mettre président MBC de la génération consciente. Donc, ce que tu as mis là, président MBC là, c'est pas de moi que tu parles. Et puis, je vais te dire, tu n'es pas obligé de me spotter. Je t'ai pas, c'est pas une obligation. De la manière, tu n'es pas obligé là. C'est comme ça, moi aussi, je suis pas obligé. Par, si il veut, il peut venir à ton concert. C'est pas une obligation. Je t'ai pas forcé en fait. Ah, donc, comme ça, il te sort ça comme ça. Oui, dans le vocal. Donc, tu n'étais pas obligé de dire président MBC. Si tu veux me spotter, tu le fais bien. Parce que je suis le président... Ou tu ne le fais pas. Ou tu ne le fais pas. D'accord. Et comment tu as réagi? Mais moi, j'ai... Excuse-moi. Je suis tombé des nuits parce que... ma chanson... c'est à mes propres frais. Mm-hmm. C'est aux frais de ma production, bien sûr. Mm-hmm. J'ai pas eu l'aide de quelqu'un. Mais quand je fais ça là, moi, pour moi, c'est une marque de grandeur à l'encontre de cette personne. Mm-hmm. Mais quand en retour... La personne me sort des choses comme ça, mais c'est vexant, c'est humiliant. Excuse-moi, mais c'est de l'injure même. Mm-hmm. C'est comme tu respectes pas mon art, en fait. Tu respectes pas le travail. Et quand il t'a envoyé la note vocale, qu'est-ce que tu lui as répondu? Mais j'ai tenté de l'appeler. J'ai tenté de l'appeler, il n'a pas décroché. Mm-hmm. Je l'ai appelé après sur WhatsApp, il n'a pas décroché. Messenger, il n'a pas... Et quand j'appelle, il coupe. Donc c'est resté comme ça? C'est resté comme ça. D'accord. Et c'est comme ça le promoteur après, j'ai appelé le promoteur, je lui ai expliqué la situation, il dit bon appelle-le, je l'appelle, il coupe. Donc j'ai trouvé que en fait, mais ça ne vaut pas la peine même de... Voilà. Et que tu devais taper l'œil. Voilà, j'ai tapé. C'est ce que tu as décidé de c'est faire. C'est ce que j'ai fait. D'accord. Je le dis ici aujourd'hui, mais c'est parce que je ne l'ai pas eu au téléphone. Sinon je lui aurais exprimé mon mécontentement. Exactement. Mais comme il ne décrochait pas mes appels... Voilà pourquoi je parle de ça aujourd'hui. Alors, Mr. Johnny, on a ouï dire que tu as encore des griefs contre ta maison, ta structure de production, Enfant Béni, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, à comprendre, Johnny, Hervé, on a l'impression que tu as des griefs contre tout le monde. Ça n'y succès, MBC, la génération consciente. Maintenant, ta structure de production, avec la structure, il s'est passé quoi? Ou il se passe quoi? Non, avec la structure, en fait... C'est problématique apparemment. Hein. Avec la structure, le seul problème qu'il y a eu, c'est que il y a eu un blocage, en fait. Oui. Voilà. Parce qu'après le maxi-single, j'étais très bien lancé, en fait. Oui. Voilà, j'étais très bien lancé. Quand le maxi-single est sorti, la tournée européenne, après, je suis venu, j'ai participé à un grand concours de la place. Voilà, toujours une société immobilière. Oui. Et dans ce concours-là... De téléphonie immobilière. Mobile, voilà. Dans ce concours, il y avait 4 catégories. Et moi, j'étais premier de ma catégorie Zouglou. Mm-hmm. Voilà. L'année passée, c'était Zouglou, mais qu'est-ce qu'il avait remporté? Mm-hmm. Et Dieu seul sait, pendant la finale, franchement, ils savent l'artiste qui a fait mouche au Palais de la Culture. Et c'était toi? Et c'était moi. C'est toi qui le dis ou bien c'est les gens non, qui le disent? Non, je veux dire, il y a eu beaucoup de commentaires. En fait, Johnny, on dirait que tu aimes te lancer un peu. Non, je ne me lance pas parce que tu sais, quand après ta prestation, tout Palais de la Culture est en ébullition et il y a des artistes de renommée qui t'approchent pour te dire, mais en fait... C'était bien, c'était qui super. On dit, non, c'est ce jeune homme-là. Mm-hmm. Ah bon? Mais lui, je le connais, je ne savais pas que c'était toi. Donc, je veux dire, il y a eu beaucoup d'exemples comme ça. Mm-hmm. Appel après mon staff managérial pour dire, mais après le concours, vous êtes passé où? Donc, je veux dire qu'après ce concours-là, la visibilité était en train de monter. Mm-hmm. Et c'est là... qu'il y a eu le break. Mais il paraît qu'ils ont commencé à produire de nouveaux artistes et que tu étais un peu jaloux aussi. Non, je n'étais pas jaloux, mais seulement, je veux dire que, tu sais, quand tu signes avec quelqu'un, il y a ce qu'on se dit. Les clauses du contrat sont là. Mm-hmm. Moi, quand je venais dans la maison de production, il n'y avait que 2 artistes. Ouais. Mm-hmm. Voilà. Et après, ils ont commencé à recruter de nouveaux artistes. Voilà. Après ma tournée européenne, quand je suis revenu avec le producteur, bon, à ma grande surprise, il y a eu maintenant, je veux dire, toute une pléiade d'artistes. Ouais. Mm-hmm. Voilà. Mais quand c'est comme ça, tu as beau avoir les sous, on est beaucoup, on sait ce que coûte le show mis en Côte d'Ivoire. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup même d'argent. Tu ne peux plus répondre, je veux dire, aux besoins de tous ces artistes-là. Donc du coup, les projets, le suivi qu'on avait mis en place sont en stand-by. Moi, j'étais bien parti. Et tu as signé un contrat de combien d'années avec la structure de production? De deux ans. Et là, c'est passé maintenant? Pas encore. Le mois prochain, ça sera la fin du contrat. Et donc, la structure peine à te faire rentrer en studio, c'est ça? Non, mais en fait, je veux dire que là même,
je ne cherche pas à rentrer en studio pour le moment parce que... Mais pourquoi tu en veux à la structure alors? Non, donc la structure va faire pour les autres si toi tu ne veux pas rentrer en studio. Non, je ne peux pas rentrer en studio parce qu'il y a eu un break. Le travail s'est arrêté. Donc la structure peine à te faire rentrer en studio parce qu'il n'y a plus les moyens. Mais bien sûr. Voilà. Oui. Ok. Donc, sinon, je ne suis pas jaloux. S'il n'y a plus les moyens, pourquoi tu ne cherches pas à rompre ton contrat et non, puis mais essayer contrat, de voir une autre maison de production? Le contrat finit le mois prochain. Ah bah voilà, tu seras libre. Voilà, c'est que, je vais dire, la maison va me proposer. Mais est-ce que le fait même qu'on ait recruté certains artistes après toi, ça ne t'a pas rendu un peu aigri? Non, ça ne peut pas me rendre aigri parce que chacun a sa chance. Mm-hmm. Mais ce que je déplore en fait, c'est, je veux dire... La façon de faire? C'est la façon de faire. C'est ce qu'on s'est dit, la maison et moi. Vous voyez, je prends un exemple simple. Emma Dobré. Les clauses ne sont pas respectées. Voilà, oui. Emma Dobré. Mm-hmm. Elle a récupéré Curiezel, elle a mis là. Oui. Et après, elle a récupéré certains. Elle travaille encore avec d'autres. Mais je veux dire que c'est aussi ça. Mais va voir même Emma, justement. Pourquoi non, ça ne te dit pas de travailler avec non, 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 mais moi, je suis déjà avec quelqu'un. Parce que là, tu vas te confronter à Amara. Hein, je suis avec une maison de production. J'attends tranquillement quand le contrat expire. Mais qu'est-ce que c'est Amara et puis Emma Dobré. Ouais. C'est un beau égard. Ok. Il a rasé sa gala. Donc j'attends que le contrat expire et puis bon voilà, mm-hmm. S'il y a de nouvelles perspectives, ouais. Si ça me sied. Mais tu ne peux pas t'autoproduire? Bah je l'ai fait un moment, mm-hmm. Donc j'ai voulu essayer avec une maison de production. Bon, pas que ça n'a pas marché, mais je veux dire que le showbiz en Côte d'Ivoire coûte cher. Ça parce que ma première tournée européenne, c'était sur une autoproduction. Ah, voilà, j'en veux même pas de production. Alors, Chola, ouais. Notre émission tire bientôt à sa fin. Exactement. Nous allons demander le mot de fin à l'artiste. Ouais. Johnny, Mr. Johnny, l'homme aux trois pieds. Au Bangalaba. C'est quoi ça là? Alors, ton mot de fin. Bah, mon mot de fin, je voulais simplement dire merci. Merci à Ivoi TV. Oui. Merci aussi à toi, mon vieux père, depuis belle durée. Merci aussi à maman Chola. Faut pas m'appeler mon ami, pardon. Bon, merci à Chola. Voilà. Non, maman, attends, ça me dérange un peu. Les gens, les trucs comme ça, faut pas m'appeler maman. Pourquoi maman? Non. Je suis pas ta mère. Je suis pas ta mère. Je suis pas ta mère. Je suis pas ta mère, moi. Ah, d'accord. Mais non. Non, 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 t'inquiète pas. Et Chola, t'es pas sa quoi? Je suis pas sa mère, moi. Mais t'es pas sa mère? Non. Donc, je veux dire merci à Ivoi TV. Bien sûr. Merci aussi à vous. Okay. Et merci à personnellement. Ok. Bientôt, nouveau single. Deux personnes. Mm-hmm. Bah, pour le moment, je prends le temps de travailler. Voilà, je prends le temps de travailler. Je veux voir clair après. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Voilà, donc je dis aussi merci à toutes ces personnes qui me soutiennent. Mm-hmm. Merci à mon staff managérial. Merci à ma maison de production. Okay. Et puis, merci à mes vrais fans. Tu voulais dire merci à deux personnes, tu avais dit tout à l'heure, ou tu as oublié? Bah, deux personnes. Ouais. Je dis merci aussi à Yvette Kouassi. Cette dame qui m'a beaucoup aimé. Ah, c'est bon. Okay. Bon. Tu n'as pas vu le troisième pied, malheureusement. Okay, c'est ça. Bon, ouais. Alors... Merci, mesdames et messieurs, à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. C'était votre Fafa. On était avec Mr. Johnny, big up à la boutique chez Krah, du côté de la 8e tranche, des vêtements certifiés, tout droit venus de l'Europe. Sans oublier Kangala le berger, Ange Bleu le cultivateur. Big up à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire, M. Moustapha Diaby. Big up à Medium. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Ouais, c'est comme ça. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Bah, lui, il va pas loin alors. Bon, c'est trop fort pour toi, tu ne vas pas comprendre. Okay. Mister Moustapha Diaby, on est ensemble. Big up à Madou Beaufils de Paris. Big up à Vincent de Beauvis. Merci à tous ceux qui nous suivent. Et surtout, sortez toujours couverts. Franck Mian, Yacine Mian, big up à l'artiste peintre Aboudia. Merci. Alors, cette émission est malheureusement terminée. Merci à mon binôme Serge Défalé. On vous attend au S-Club. Et puis, remerciement spécial à Diva Glam Collection qui m'a habillée. Mm-hmm. Et puis, j'aimerais saluer ma grande et belle commune de Diabo. Nous, on se dit à la semaine prochaine avec plus de papo à tasser. Fa, c'est pas pour les enfants. C'est pour un certain niveau. Voilà. Ne vous abusez pas les enfants. On vous couche.